Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, mais on va découvrir le quartier très coréen de Shin Okubo. Alors, il y a deux façons d'accéder au quartier coréen de Tokyo. Soit vous marchez à partir de Shinjuku, là-bas en face, c'est pas si loin. Soit vous descendez directement à la station Shin Okubo. Et ensuite, c'est facile, vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez, il y a même le drapeau de la Corée et du Japon ici. Et en fait, c'est un quartier assez grand. Il s'étale entre deux avenues principales, celle-ci et une autre de l'autre côté. Et en fait, toutes les petites rues perpendiculaires sont remplies de magasins spécialisés sur toutes les facettes de la culture coréenne. Bon, qui dit Corée dit évidemment K-pop et les Japonais en raffolent, enfin surtout les jeunes japonaises qui sont la clientèle principale du quartier de Shin Okubo. Elles viennent ici pour acheter toutes les formes de goodies possibles et imaginables à l'effigie des plus grands groupes de K-pop hein, comme Big Bang, Shiny, EXO, etc., etc. Et là, je suis même devant une live house qui ne propose que des lives de K-pop. Beaucoup de gens critiquent la Corée car énormément de filles y ont recours à la chirurgie esthétique, mais il faut reconnaître que dans le domaine de la cosmétique, c'est l'un des pays les plus avancés. C'est pour ça qu'ici, il y a des dizaines de boutiques qui vendent des produits cosmétiques coréens. Bon, évidemment, pas le temps de tout vous montrer tellement il y en a. Je vous fais juste une petite sélection de trucs originaux, notamment ces masques pour le visage, à base, entre autres, de bave d'escargot, et oui, snail en anglais. C'est pour ça qu'ici, il y a un joli escargot. À part ça, on a un truc que l'on retrouve un peu partout, le placenta, ça c'est la base. Et d'autres trucs un peu plus flippants, comme ces masques pour le visage à base de venin d'abeille, ou bien encore pire, à base de venin de serpent. Beaucoup de Japonais viennent ici pour déguster tout un tas de spécialités culinaires coréennes, mais il y en a tellement que je vous ferai ça dans un reportage à part. Mais je fais quand même un petit crochet par un supermarché coréen du coin, car c'est super intéressant à visiter. Il y a plein de trucs que je n'avais jamais vus. Bon, il y a aussi des produits un peu fanservice, hein, comme par exemple des bonbons Shiny ou encore Girls' Generation. Voilà, si vous êtes de passage au Japon mais que vous n'avez pas le temps d'inclure la Corée dans votre trip, eh bien vous pouvez toujours venir faire un petit saut ici, vous y trouverez tout ce qu'il faut. Allez, à plus, ja ne.